J'espère que vous allez bien, je suis trop méga excitée de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo swap. Vous le savez, j'adore les swaps, j'essaie d'en faire peu dans l'année, mais des swaps qui sont vraiment avec des personnes chères à mon cœur. Aujourd'hui, je fais un swap Harry Potter, mais en même temps un petit peu de beauté pour un petit bonus. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Mais du coup, à l'intérieur, vous avez surtout, je pense, du Harry Potter et quelques petits produits de beauté. Vous allez voir, c'est un peu des deux. Je le fais avec Jessica de la chaîne Life Ticia Miel, si je ne me trompe pas. Je vous mets le nom de sa chaîne ici et dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir sa chaîne et aller voir aussi le swap que je lui ai préparé. On n'habite pas trop loin, du coup on a pu se les donner. Malgré ce confinement, on s'est vu vraiment au passage comme ça, deux secondes, histoire de se donner le swap et de se donner des nouvelles, même si on se donne tout le temps des nouvelles sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver toutes les deux sur Instagram, donc on est assez accessible, on papote souvent et assez facilement, donc n'hésitez pas. Et du coup, on a décidé depuis quelques mois maintenant de se faire un swap. Et puis, voilà, ça tombe bien, c'est top, top, top. C'est une personne que j'ai découvert de plus en plus ces derniers mois, avec qui j'ai pas mal d'affinités. J'ai hâte de papoter encore avec elle, de la découvrir en vrai un peu plus. Quand on pourra se voir un jour dans ce monde compliqué, hein. Et du coup, on est quand même super contente de cet échange. On est contente d'avoir appris à se connaître. Et puis, honnêtement, faut le dire, pendant cette période compliquée, ce swap c'est juste un peu de bonheur, ça rajoute une petite touche un peu de folie. Et pour information, si vous ne savez pas ce que c'est un swap, c'est un échange de colis tout simplement avec des petits cadeaux, une sorte de cadeau d'anniversaire, alors pour moi en retard, pour elle en avance, mais c'est voilà, un échange de petits colis. On a pensé à l'autre, on s'est dit tiens ça peut lui plaire, ça fait partie de sa wishlist, tiens ça tada, ça tada, tada, tada. Enfin voilà, on a essayé de penser à l'autre et on sait qu'en retour on aura aussi des petites choses. C'est vraiment les petites attentions, le fait qu'elle ait pensé à ça ou à ci qui font que les swaps fonctionnent. Bon, je vais pas parler pendant 20 ans, hein, vous savez peut-être déjà tous ce que c'est un swap, mais je préfère le dire pour les nouvelles arrivées. Donc, on avait un petit budget quand même que Jessica a tendance à beaucoup exagérer. Elle m'a dit il y a 5 minutes de ça que mon swap lui avait beaucoup plu, qu'elle était ravie, etc. Donc allez voir hein, ce que je lui ai préparé et tout. Elle, c'est particulièrement que de la beauté, puisqu'elle n'est pas spécialement fan d'Harry Potter. Et moi, c'est beaucoup de Harry Potter, parce qu'elle savait que je voulais... j'ai pas besoin de spécialement de plein de choses au niveau beauté, j'avais envie d'avoir des petites choses pour ma classe. Si vous le savez pas, je suis prof des écoles et je fais une classe Harry Potter, du coup... J'avais envie de compléter ma collection qui commence à être bien grosse, Harry Potter pour ma classe. J'imagine que je prends dans le désordre comme ça vient, donc let's go, let's go, let's go. Donc il a l'air top. Elle a essayé donc de faire une petite déco Harry Potter avec des petits stickers et du papier craft qui est dans la lignée de Harry Potter, hein, c'est dans le même style, donc c'est trop cool. Donc vu que ça a l'air dur, soit un petit carnet, soit un livre, ouais ça doit être un livre. Ouais, c'est un livre. Trop bien, il était dans ma wishlist, je suis trop contente. C'est un livre Onedux, un livre à gratter et à sentir. Donc ça déjà, je vais le faire découvrir à mes enfants en premier. Et après, je vais le mettre dans ma classe. Donc c'est trop cool. Donc c'est d'après le film et à l'intérieur, vous avez voilà des petites images, des petites choses. Et si on gratte, ça sent l'odeur, par exemple là, les fameux bonbons. Si on gratte ici, ça sent le fameux bonbon. On va tester. Ah ouais, ouais c'était l'odeur crotte de nez, ouais, je suis tombée sur le meilleur, donc je suis trop contente, merci. Ce tout petit, tout léger, on en a toujours besoin. Ah, je crois que c'est une trousse et je pense que c'est la même que derrière moi, c'est un petit doublon je crois. Oui c'est ça, alors est-ce que c'est... Ah oui, c'est la même, ouais, je l'ai déjà, je l'avais acheté chez Primark, mais c'est pas grave, celle-ci, elle va aller dans ma classe, elle est magnifique, si je l'avais acheté, c'est que je l'avais trouvé trop belle, elle est vraiment magnifique et elle va avec le sac, en fait, moi j'ai le sac à dos Harry Potter dans ce style-là, du coup ça va avec, mais sauf que la trousse est beaucoup plus grosse que le sac. Elle m'a mis une boîte comme ça, je crois que c'est le cadeau final, donc je vais le mettre sur le côté pour l'ouvrir à la fin. Et ça, ce sont, je pense, les bonus. Elle a rien mis dessus, mais j'imagine que ce sont les bonus. Puisque moi aussi, je lui ai mis un petit paquet de bonus, des petites choses qui m'intéressent pas en ce moment et qui pourront peut-être lui plaire. Je lui ai posé d'abord les questions pour savoir si vraiment ça l'intéressait. Alors ça, c'est trop bien. C'est pas un bonus, ça. C'est genre le top du top. Moi, j'adore ce produit. C'est le gel pour les mains nettoyant de chez Rituals à The Ritual of Sakura. Donc c'est la gamme fleur de cerisier. C'est une de mes gammes préférées chez Rituals, mais là je suis trop contente parce que c'est vraiment un produit que j'ai eu à Noël il y a deux ans,
2, 3 ans, je ne sais plus. Et je l'avais adoré, donc je suis trop contente. On a fait un petit échange dans notre swap. Du coup, il y avait un produit de chez Too Faced que moi, je voulais pas, qui me servait pas. Et elle le voulait. Et elle m'a proposé de me l'échanger contre ce produit-là, Tarte. Donc, c'est une petite palette Tarte. Et ma foi, j'ai dit pourquoi pas, parce que elle est quand même colorée. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas tenter, il y a des couleurs que j'ai pas forcément dans mes palettes Tarte, donc c'est une petite palette à emmener partout, donc ça c'est cool. Elle m'a mis un gommage que moi j'ai adoré, c'est le gommage corps bergamote tubéreuse de chez Baija, comme ça je l'ai terminé il y a pas longtemps et je l'ai totalement adoré, donc ça je valide. De la marque Nomi Onoe, ah c'est marrant, c'est celui que j'ai dans ma salle de bain en ce moment, c'est un gommage sans grain purifiant pour le visage, donc c'est celui-là que j'utilise, je l'aime bien. Ma foi je l'aime bien, donc je suis contente aussi. Et elle m'a mis deux produits comme ça, donc de la marque Polar, Nuit Polaire, c'est une crème de nuit, et un soin capillaire je crois que j'avais eu déjà dans les Birchbox alias Blissim, et du coup c'est de la marque Davines, alors ça j'aime moins, je crois que je suis pas hyper fan de ces deux produits là, mais c'est pas grave, ça servira. La partie gourmandise, je vois qu'elle a glissé un truc comme ça, et qu'est-ce que... Non mais c'est un truc de fou, non mais, oula, il a un peu mal vécu là, il a des trucs un peu gondolés, mais... Tu sais que il y a une abonnée qui me l'a envoyé sur Insta en me disant regarde sur Amazon il y a le calendrier de l'avant Reese's, et moi j'ai fait ah ouais c'est cool et tout parce que moi je suis une grande fan de Reese's vous le savez, mais je l'ai pas acheté parce que bah voilà je me suis dit bah non soyons raisonnables un petit peu, et là et on est connectées toutes les deux, alors ça, désolé la luminosité varie parce qu'ils zooment sur ça, mais ouais on est connectées avec Jessica, donc calendrier de l'avant chocolat Reese's, première fois que je l'ai et je suis trop méga contente. Toujours utile. Alors c'est tout fin donc je sais pas du tout. Ah oui, alors oui c'est utile pour ma classe, ça va servir. Ça va être cool ça sur leur cahier, je vais pouvoir leur mettre des petites étiquettes comme ça avec les blasons Harry Potter. Donc il y a Poufsouf, le Gryffondor, etc. Ça c'est super. Pour ma classe c'est très bien. Pour information, Jessica elle fait des créations, des boucles d'oreilles qui sont vraiment magnifiques et moi je lui ai demandé de me les faire en sautoir, donc dans ce style là, et honnêtement ils sont trop beaux, donc elle est adorable, elle me les a mis dans le swap en bonus, mais fallait, ils coûtent déjà pas très cher en fait et ils sont très jolis, donc les voici. Je vais vous les montrer en close-up je pense pour que vous les voyez de près et je vous mettrai les informations si ça vous intéresse dans la barre d'infos si vous voulez aller lui faire des petites commandes. Vous pouvez choisir, hein. Moi là j'ai choisi par exemple un peu en couleur serpentard, en vert comme ça, kaki. Et là elle me l'a fait avec des couleurs un peu bleutées, turquoise. Du coup je les ai demandé en sautoir comme ceci et ils sont magnifiques. Et du coup vous pouvez personnaliser selon les couleurs que vous avez envie, ce que vous préférez. Donc ça c'est trop beau. Et Jessica elle a un petit talent caché comme ça discrètement, donc je suis trop contente. Merci ma petite Jessica. Elle m'a mis aussi, non mais c'est une dingo hein. Elle m'a mis en bonus donc des petits stickers, je pense que c'est ce qui lui restait de sa commande. Et cette petite boîte là, alors il s'avère que cette boîte là je l'ai déjà. Je l'ai acheté avec l'argent de l'école pour ma classe, mais j'ose pas m'en servir. Et elle m'a dit qu'elle voulait le mettre sur des paquets, des seaux en fait, les fameux seaux comme dans Harry Potter. Mais qu'elle avait galéré, qu'elle y arrivait pas, donc tout ça. Donc elle m'a dit je te mets la boîte pas emballée, parce que bon, comme elle les a utilisées, entre guillemets, c'est plus un cadeau. Alors si, ça reste un cadeau. Mais ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir les utiliser avec mes élèves, parce que celle que j'ai, j'ose pas l'ouvrir, j'ose pas l'utiliser. Donc celle-ci, on va l'utiliser, c'est sûr. On va tenter de faire des seaux là. En plus, on est en train de faire des potions magiques en classe et du coup ça va servir pour sceller les potions, donc c'est trop top. Si vous voulez voir nos fameuses potions magiques et tout, je pense que je vais faire un vlog du coup et je vais vous montrer un petit peu tout ça en action, comment on a réalisé ça, nos petites idées là, j'ai plein d'idées donc je vais vous montrer ça. Elle m'a mis un petit truc comme ça, donc pareil emballé, il n'y a pas d'indication vu que c'est tout petit. Est-ce que c'est pas un porte-clés ou un bijou, je sais pas du tout. Hop. Ah ouais, c'est un porte-clés serpentard et il est magnifique. Il est trop beau. Elle a trouvé beaucoup de choses sur Amazon, donc j'essaierai de vous mettre les liens si j'y pense et si j'ai le temps dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ce petit paquet là, un indispensable. Je sais pas. Alors là j'ai pas d'idée. Ah oui. Et je l'ai pas. C'est un marque-page Poufsouf et je l'ai pas. Il est trop beau. Il est méga beau. Donc mes élèves en ont de chez Gryffondor je crois. J'en ai vu aussi de chez Cercle d'Aigle, mais j'avais pas vu Poufsouf. Donc il est trop beau, un trop beau marque-page qui va aller avec le carnet que j'ai eu dans ma dernière vidéo vlog avec un petit colis cadeau d'anniversaire, je vous la remettrai dans le petit i. J'ai eu un carnet qui est dans ces couleurs là de chez Poufsouffle et ça va compléter parfaitement. Ce petit truc là, de quoi écrire comme à l'ancienne. Alors c'est, ça ressemble à un livre mais
Écrire comme à l'ancienne, ce serait plutôt à la plume. Ah non, c'est un set d'enveloppes comme ça. Bah, les fameuses enveloppes, un peu à la... à la Hogwarts, quoi, avec... ah, c'est trop sympa. C'est trop sympa. Merci. Ça, je pense que... avec des faux seaux. Vous les voyez, là. Et je pense que... ouais, ça pourra servir, pas cette année dans ma classe, mais l'année prochaine. Ou si cette année, je les utilise, je vais peut-être les utiliser pour un escape game ou quelque chose comme ça, parce que j'aimerais bien les garder aussi pour qu'elles durent sur les années, pour pas qu'elles soient utilisées qu'une fois. Donc, ouais, ça va me donner plein d'idées, tout ça. Il a l'air super. Alors, je pense que ça, c'est un petit livre un peu mou qui était dans ma wishlist, je crois. Hein. Je pense. Ouais. Je suis trop contente. Ça va être trop bien pour ma classe. Ça va me donner encore une fois plein d'idées pour ma classe. Donc, c'est le livre des maisons de Poudlard, le journal créatif de chez Gallimard Jeunesse. Je crois que Gallimard, c'est l'édition où il y a tous les livres Harry Potter, ou une grosse partie des livres Harry Potter. D'ailleurs, ils vont sortir un nouveau livre de chez J.K. Rowling. Je crois que c'est Gallimard aussi. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais restez connectés. Il y a du nouveau par rapport à ça. Et du coup, à l'intérieur, ça vous donne plein d'idées, plein de petites choses à faire selon votre maison. Par exemple, c'est Poufsouffle. Donc, on vous dit que Digori, c'est un Poufsouffle. Que vous pouvez imaginer que la coupe de feu est choisie pour représenter Poudlard au tournoi des trois sorciers. Invente et dessine le badge de tes supporters. Donc ici, c'est trop bien. C'est une bonne idée, ça. Et ça va pouvoir me permettre de faire des petites choses dans ma classe avec mes élèves. Ça va pouvoir me donner des idées. Comment ferais-tu pour rester optimiste dans ces situations? Et ça vous met plein de petites situations et vous devez écrire. Donc logiquement, c'est incarné pour une personne. Mais moi, je vais pouvoir l'adapter pour mes élèves et le réutiliser en lecture et en écriture. Et c'est juste trop bien parce que ça complète mon thème de classe. Pour tes photos de classe. Alors maintenant, avec le masque, c'est une vraie galère de faire des photos de classe. Mais j'ai quand même l'intention d'en faire d'ici la fin de l'année et d'en faire des sympas. Mais là... je sais pas. Ah oui. La fameuse écharpe de chez Poufsouffle. La pauvre, elle a eu des mésaventures avec cette écharpe là parce qu'elle l'avait commandée chez vente privée, mais ils lui ont envoyé celle de Serre d'Aigle. Du coup, après, la coquine, elle a quand même, je lui ai dit de pas l'acheter, je lui ai dit c'est bon, t'inquiète pas, c'est pas grave, Serre d'Aigle, ça servira pour ma classe. Mais elle a quand même voulu m'offrir celle de Poufsouffle. Donc oui, pour information, si vous ne l'aviez pas remarqué, je suis team Poufsouffle, étant donné que le choix peau magique a choisi ma maison. Et je suis Poufsouffle et je trouve que je correspond bien aux valeurs de Poufsouffle, donc c'est plutôt sympa. Et elle est très très sympa, elle est très belle, donc j'ai hâte, je pense que je ferai des petites photos. Je vous ai mis sur Instagram d'ailleurs un petit peu mes tenues Harry Potter et tout. Donc j'ai hâte de continuer à faire mes petits déguisements comme ça, mes petites photos, mes petites vidéos. J'ai plein d'idées, donc encore une fois au top. Pour tes cheveux. Alors je pensais, c'est pas un produit de beauté, du coup là je sais pas, un bandeau peut-être Poufsouffle. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas d'idée. Ah oui! Alors, elle savait que moi, j'ai pris le serre-tête, justement, pour faire ma tenue étudiante à Poudlard. Mais elle m'a pris, du coup, le handband avec le chouchou comme ça, qui est trop beau. Et ce chouchou-là aussi. Ils sont trop mignons aussi. Donc ça va être trop trop bien. Bah, je vais pouvoir attacher mes cheveux avec. C'est trop sympa. En plus, on nous donne plusieurs façons de le porter, le handband. Enfin, l'élastique, ils appellent ça. Le grand élastique serre-tête. Donc, trop cool. Cette petite pièce-là, alors l'indice, je sais que tu vas adorer. Ah, vous voyez, elle a essayé de faire un saut là. Mais comme elle me disait qu'elle n'y arrivait pas, je crois que c'est pas facile non plus à faire. Hein. Donc, mais elle l'a bien réussi quand même, hein. Il est plutôt bien fait. Hein. Je vais adorer. C'est une boîte, mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, ma pauvre! Oh non, bah oui, je vais adorer, mais je l'ai déjà. Oh là 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 là, du coup je l'ai en double. Je sais pas si t'as vu ma vidéo, je l'ai mais bon, c'est pas grave. Donc oui, je l'ai déjà, je l'ai eu avec mon carnet par ma petite Mylène. Et bah comme ça m'en fait un pour l'école et un pour la maison. Et ouais, celui pour l'école, il va aller dans mon sac d'école. Comme ça, bah je vais pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc c'est trop cool. Donc c'est un stylo officiel de Harry Potter, de la gamme Poufsouffle évidemment. Donc il y a la boîte, vous voyez, officielle. Et c'est vrai qu'au niveau qualitatif, il est juste magnifique. Avec le blaireau en haut, bah, le symbole de Poufsouffle. Et il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et au niveau qualité de... Il est trop magnifique. Il est trop beau. Moi, ça, celui-ci va aller direction ma classe. Je suis quand même méga gâtée. Alors si vous n'aimez pas Harry Potter, j'en suis désolée, mais il y a de la beauté qui arrive à la fin. Le dernier cadeau qui est dans la boîte là, logiquement c'est de la beauté, enfin je crois. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça
Ça, je sais, elle l'a acheté avec moi. Oui, elle a eu peur qu'elle en retrouve plus après. C'était au Furet du Nord. Donc, c'est une choco-grenouille de collection qui est juste trop belle. Et elle est juste trop magnifique. Donc, la Chocolate Frog Replica. Donc, c'est... Je sais pas si vous verrez. Oh là là, faut que je vous montre ça. Elle est énorme. Regardez la carte à l'intérieur. Donc, vous avez la carte de Dumbledore, comme ça, qui bouge. Hein. Ouais. Vous avez la boîte, qui donc se range comme ça. Elle est juste trop belle, la boîte. Elle est vraiment... C'est une belle réplique, quoi. Trop belle. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre donc la fameuse grenouille. Donc, c'est un peu comme du caoutchouc, quoi. Qui est un peu collante. Et waouh. Et puis, vous la mettez dans sa petite boîte en déco, dans la classe. Ça va être trop beau. Pour l'hiver, c'est l'idéal. Alors, je suppose que c'est une tasse, je pense, parce que c'est un peu lourd, ça a un peu le style d'une tasse. Donc, une tasse pour boire son petit cappuccino, ou son café, ou son thé, ça me paraît bien. Et avec la fameuse Edwige. Trop cool! Je connais pas cette tasse. Elle est comme ça, elle est trop belle. Ah non, elle est magnifique avec le petit Edwige là, c'est trop beau. C'est super beau. Une deuxième pour chez toi. Bah, je suppose que c'est une autre tasse. Mais est-ce que c'est la même? Je ne sais pas. Pareil, là, elle a essayé de faire le saut. Ouais, c'est la même. Je pense qu'elle a eu un problème de livraison. Soit elle l'a reçu deux fois. Je crois que c'est ça qu'elle m'avait dit, qu'elle avait reçu deux fois. Bah, du coup, j'en ai une deuxième pour chez moi. C'est parfait. C'est trop cool. Alors, ce petit-là, sur un sac, c'est top. Un petit porte-clés, j'imagine. Mais c'est tout léger, donc je sais pas. Waouh, il est trop beau, c'est un pin's vive d'or comme ça. Ah oui, je vais le mettre sur mon sac d'école. Il est trop beau. Et de deux. Donc j'imagine que c'est la deuxième écharpe, la fameuse écharpe serre d'aigle qui est arrivée par erreur. Et du coup c'est cool parce que j'ai pas beaucoup d'accessoires serre d'aigle à l'école. Donc c'est trop sympa. La voici. Donc celle-ci vient de chez Vente Privée. Je sais pas l'autre, c'est pas du tout les mêmes gammes on dirait. Mais c'est trop top. Alors j'ai pas à déballer depuis tout à l'heure, je suis désolée dans l'excitation, je n'y pense pas, mais voilà, celles sont les couleurs de serre d'aigle. Elle est pas mal au niveau qualité, elle est sympa, donc trop sympa, c'est parfait pour ma classe. Le dernier cadeau Harry Potter avant la fameuse boîte, donc c'est un organisation. Organisation, donc ça m'a l'air d'être un espèce d'organiseur et en plus... Quand elle m'a demandé si je m'organisais un petit peu et tout, je lui ai dit, je crois, qu'en ce moment, j'avais du mal à m'organiser et à voir loin au niveau des rendez-vous. J'ai tendance, en fait, à noter les rendez-vous médicaux, etc., dans ma tête. Oui. J'ai un agenda, hein, mais j'ai tendance à pas noter dessus, à pas y penser. Et après, je suis là, je crois que j'ai un rendez-vous bientôt. Voilà. Vous voyez, genre? Eh ben, moi, c'est ça. Donc, quand elle m'a dit, est-ce que tu t'organises et tout, je lui ai dit que j'aurais bien besoin d'un organiseur... vous savez, mensuel, qui permet de mettre sur le frigo ou dans la cuisine et que vous notez les rendez-vous dans le mois ou dans la semaine. Et ça vous permet d'être un petit peu plus structuré que moi. Est-ce que c'est ça? On dirait bien que c'est ça. Donc, magnet planeur. Donc, ça s'accroche, je pense, au frigo. C'est un grand planeur comme ça. On va l'ouvrir parce que ça m'intrigue. Effectivement, il y a des grosses bandes comme ça pour tenir au frigo. Il y a des post-it Harry Potter qui sont là. Donc, il y en a quand même quatre formats différents. On a le stylo en bas. Et à l'intérieur, c'est ça, c'est mensuel en fait. Et c'est trop cool. Là, il y a écrit le mois en bas, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là, bah septembre, c'est foutu. Octobre aussi. Mais c'est pas grave, je vais garder les feuilles pour faire d'autres choses. Et on commencera à novembre pour mettre les rendez-vous et tout. C'est trop bien. Ça va me permettre vraiment de m'organiser un peu mieux. Et il est vachement bien fait. Il est super qualitatif. J'aime bien les petits dessins un peu discrets comme ça. Donc en mode Harry Potter, mais en même temps, c'est pas trop voyant dans la cuisine. J'aime bien. Il est très beau. Bon, jusque là c'est un sans faute, mis à part un petit doublon et une double tasse Edwige, c'est parfait. Donc je passe à la petite fameuse boîte de chez Beautiful Box. Donc elle m'a dit que c'était là-dedans, je crois, le dernier fameux cadeau. Donc on va regarder. Ah, je me disais c'est léger. Oui, je comprends maintenant pourquoi. Quel dingo, hein. Quel dingo. Donc c'est un petit pochon Pandora. Et à l'intérieur, il y a deux petits cadeaux. Donc, on a... Tac. On va commencer par le petit Pandora. Donc, j'imagine que c'est... je crois qu'il y en avait un dans ma wishlist pour compléter mon bracelet. Et c'est ça. Il est trop beau. Oh là 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 là. C'est un petit charme Pandora. Bien, avec le HP de Harry Potter. Et de l'autre côté, hop là. Il y a le fameux vif d'or avec les lunettes. Il est trop beau. Donc, il va aller compléter mon Pandora. Et le deuxième petit cadeau dans le même cadeau. Je ne sais pas... Non, mais... Mais t'es une malade, hein. T'es une malade. Donc, elle m'a mis une palette de chez Natasha Denona qui était dans ma wishlist. Et c'est à cause d'elle, d'ailleurs, que je la voulais. Et
Elle est pas bien, hein, elle est pas bien cette demoiselle. Donc c'est la fameuse Mini Tropic Palette. Elle est trop belle. Donc la voici. C'est vraiment, elle est sortie pour l'été. Elle est sortie que sur Cult Beauty si je me trompe pas. Et elle me faisait vraiment envie. Les couleurs sont magnifiques. Celle-ci a l'air divine. A l'air divine. Les mats ont l'air intéressants à voir. Et le bleu aussi là a l'air divin. Donc les trois là, les deux ici et le bleu, ils ont l'air en fait un peu métallisés. Et ces deux-là sont mats, donc qui est trop beau. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais waouh, elle est trop bien. Merci beaucoup, ça c'était sur ma wishlist. Et ça complète ma collection de mini de chez Natasha Denona. Parce que oui, maintenant, grâce à elle, je les ai toutes. Et je suis trop contente, donc elle va aller dans ma salle de bain, prête à tester. Évidemment, cette petite merveille, je vais aller le mettre directement sur mon bracelet Pandora qui est dans ma chambre. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui et du coup, je suis trop contente. Bon, ça, c'est un swap qui déchire, non? Vous pouvez pas dire le contraire, il déchire ce swap. Voilà, il était parfait pour ma classe et moi. Donc ça complète en plus parce que j'ai l'impression que dans ces swaps un petit peu Harry Potter, ça me fait plaisir à moi, mais ça fait plaisir un petit peu à mes élèves parce que ça va être des nouvelles choses qui vont arriver dans la classe et c'est trop cool. Du coup, c'est une pierre de coup, quoi. On se fait plaisir tous et je fais un petit peu plaisir à mes élèves au passage. Donc s'ils passent par ici, mes petits élèves, voilà, vous allez avoir des nouvelles décorations dans la classe. Oui, parce qu'il y en a qui me regardent, qui ont découvert ma chaîne. Donc, je suis trop contente. Merci, Jessica. Vraiment, c'est juste au-delà de mes espérances. C'est juste trop bien. Je vais arrêter de parler ici. N'hésitez pas, dès maintenant, à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous étiez content de voir un peu cette excitation qui vous fait un peu oublier le reste du monde. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. On va voir directement hein, la petite vidéo de Jessica. Je pense que je l'ai pas mal gâtée. J'espère avoir été à sa hauteur. Mais du coup, moi, je l'ai gâtée vraiment en produits de beauté, en make-up, avec quelques petites choses lifestyle. Il n'y a pas de Harry Potter dedans. Donc si vous n'aimez pas trop Harry Potter, allez voir sa vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!